Mission niveau 2, Fantomatique Rénov veut que l'équipe tende un piège à la fine fleur de Terminus. Ses ordres, réprimer les morts vivants locaux et créer l'illusion d'une voie dégagée pour les mercenaires. Alors c'est un petit peu long, hein. Il va falloir éliminer 100 zombies pendant la couverture des terres, en fait, qui ne dure que très peu de temps. On va voir qu'est-ce que c'est exactement, où on l'équipe, et une vingtaine de mercenaires. Alors entre le premier essai face à un camp très ouvert et le temps très court du truc, j'ai tué qu'un mercenaire. Je pense qu'il y a moyen de l'optimiser, mais il vaut mieux attaquer les mercenaires dans des endroits fermés. On le verra. Pour les zombies, ce qui est plutôt sympa, c'est d'utiliser les escapes, parce qu'il y a plein de morts vivants qui pop par contre. Alors avec l'arme que j'ai utilisée, qui n'était pas forcément la bonne, j'en tue une quinzaine on va dire. Bon, ça se fait pas forcément difficilement, mais c'est surtout relativement long. Alors, l'amélioration, on la retrouve ici. Donc, pour pouvoir la débloquer, bah, il faut avancer dans les niveaux. C'est pas la dernière, mais il faut être, je sais plus, on les alentours très certainement du niveau 40 pour la débloquer. Comme d'habitude, faut faire des kills pour faire monter. Le déploiement possible, hein. Il y a un petit rond vert qui entoure la couverture des terres, et une fois on a fait suffisamment de kills, paf, on peut l'utiliser, et là on a quelques secondes pour être invisible et faire une kill. Couverture des terres, on va aller attaquer un camp. Si je pense qu'un camp comme ça, grand ouvert, c'est pas l'idéal. Je pense qu'une forteresse où tout est fermé, c'est certainement mieux l'idéal. C'est intéressant de voir combien le jeu m'en... L'important c'est de rester en mouvement pour limiter les shoots. Ouais, ça m'a fait quand même. Je pense que vraiment une forteresse, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux, parce que hein, je suis pas prêt d'y arriver. Hein. Donc tout ce qui est camp, et puis forteresse, c'est là où il y a un petit château. Bon, il y a la très très grosse qui est ici. Voilà, forteresse de mercenaires. C'est ça qu'il faut attaquer. Le convoi aussi, je pense, peut être pas mal parce qu'ils sont très groupés, mais bon, faut tomber dessus. Alors, pour les zombies, on va déclencher une escape. Je pense que ça peut être pas mal une fois qu'on a chargé notre truc. On va attendre d'avoir tout un tas de zombies alignés. Et là, on va... Alors par contre ça dure peu de temps, hein. On a vu pour les mercenaires. Je l'aurais fait exprès dans. Putain, hein, j'aurais pas fait pire. Attention équipe d'assaut, je serai bientôt là. Alors, ce qui est bien avec mon arme, c'est que les balles traversent beaucoup beaucoup de corps, donc ça va être l'idéal pour l'exercice de style. Bien dense, voilà messieurs. Ouais, le kaboom, c'est pas trop le moment là. Montez, soldat, découvrez-moi. On va attendre parce qu'il y en a. Cesse de compter, je pense qu'il y en a un peu plus. Mais... Ouais, toujours 7, bon peu importe, on va le faire petit à petit. Alors, chose également qui attire pas mal de zombies, alors ça peut être bien pour en tuer beaucoup, mais également pour recharger votre mode, c'est s'attaquer aux trucs de sport. Généralement, à partir du moment où on les détruit, il y en a une arme qui est détruite. Bon là, je suis déjà venu pour retirer en faisant des kills. Ah non, ils sont nombreux à nous tomber dessus. Là voilà, là on voit avec ma canette qu'ils sont énormément nombreux à venir. Donc ça va me permettre de recharger rapidement mon monde. Donc après il faut jouer entre ça et l'escape. Alors si on a la chance d'avoir une forteresse avec les spores partout,
et l'escape, on va pouvoir alterner entre l'un et l'autre pour faire monter notre compteur de kill. Bon, pour avoir fait quelques essais, généralement le temps du déclenchement on en tue deux des mercenaires. Merde, tentative, j'ai pas été bon. Attention, des renforts terminus s'approchent de votre position. On va voir, parce qu'il y a peut-être un hélicoptère qui va popper. Il y a peut-être moyen de, faire plus de kills. On va voir. Ah, on en a eu 4. Allez, abattre un hélicoptère. C'est pas mal. C'est pas mal. Mission également qui peut être sympa, c'est la livraison de colis. Parce que généralement, le véhicule est gardé par quelques mercenaires. Les mercenaires déplacent des armes dans un véhicule près de votre position. Aller là-haut. Détournez-le. Alors, j'ai un sens de détection, je vais pouvoir voir où ils sont. Voilà. On n'a pas de temps à perdre. Un de plus. Я вижу цель. Я в укрытии. Открыть огонь! Абсолютно! Ils vous ont pas vu venir. Et de toute façon, ils auraient rien pu faire. Un petit peu long quand même, je trouve les 20 mercenaires, c'est pas très fun. Même les 100 zombies, ça a pas beaucoup d'intérêt. Ça pourrait être moitié moins important. Bon là on a terminé au niveau d'un croix. Le coup de l'hélicoptère était vraiment très...